Il y a cette petite histoire qui nous vient tout droit du Canada. Tu vois, il n'y a pas que des fausses doctrines qui nous viennent du Canada, il y a aussi des petites histoires. Cette petite histoire dit qu'il y avait trois amis inséparables. Trois amis inséparables. Deux oies et une petite tortue. Deux oies et une petite tortue. L'histoire dit que la petite tortue était atteinte d'un nez, d'un orgueil aigu. Comme c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tortues orgueilleuses. Moi, j'en ai jamais vu. L'histoire dit que la saison pour émigrer va venir. Les oies, ça émigre. Et puis, nos oies sont impatientes de décoller. Mais comment faire pour emmener avec eux leur ami tortue. Une tortue, ça ne vole pas. Alors ce trio d'amis, pour ne pas casser cette amitié, la petite tortue ingénieuse va trouver une idée subitement et elle va dire à ses deux amis oies, voilà, la nature vous a donné beaucoup de force dans vos ailes et dans vos pattes. Moi, la nature m'a donné beaucoup de force dans mon bec. Beaucoup de force dans le bec, les orgueilleux. Alors voilà, vous allez prendre un bâton dans vos pattes et vous allez vous envoler avec. Et moi, avec mon bec, je vais te tenir solidement le bâton et je vais m'envoler avec vous. Ok. Et voici que notre trio d'amis vont mettre à exécution leur plan. Et les voici partis dans les airs. Imaginez-vous la scène. Les voici partis dans les airs. Et l'histoire dit qu'ils rencontraient sur leur chemin d'autres groupes de volatiles. D'autres groupes d'oiseaux. Et puis lorsque les autres groupes d'oiseaux les voyaient comme ça, les deux oies avec le bâton, la petite tortue dans le milieu. Alors ils étaient tentés de leur dire, mais c'est pas possible. Mais lequel de vous trois a eu cette bonne idée? C'est merveilleux, mais lequel de vous trois a eu cette idée de génie? Pas un mot. Un autre groupe de volatiles, encore une fois. Oh, mais c'est merveilleux, mais écoutez. Vraiment, quelle idée ingénieuse! Lequel de vous trois a eu cette bonne idée? Pas un mot. Un autre groupe, pas un mot. Et dans le dernier groupe fatal, devant tant d'éloges, devant tant de crème, la petite tortue, ne pouvant plus se contenir. Oh, un orgueilleux, je te jure. Un jour ou un autre, il craque. Tu le sais que la meilleure cachette de l'orgueil, c'est l'humilité. Méfie-toi, un vrai orgueilleux se cache souvent sous un vrai humble. Lequel de vous trois a eu cette super idée? Mais dites-nous-le. Et la petite tortue, ne pouvant plus se contenir, c'est moi! L'orgueil précède la chute.